que vous allez bien. Alors ça me fait très bizarre, je crois que ça fait 3 mois que j'ai pas dû filmer de vidéo. Je ne sais pas trop par où recommencer. J'ai un petit peu perdu le fil, j'avoue que je me sens plus à l'aise sur Instagram. Et donc là je suis, enfin voilà, je me dis qu'est-ce que je vais leur raconter. Mais bon ça va revenir, c'est un petit peu comme le vélo, hein. Je pense que ça va revenir. J'espère que chez vous ça va, je ne vais pas parler que de ça et faire une vidéo que de ça. Je ne savais pas trop comment revenir en fait avec ce coronavirus. Je ne savais pas comment revenir. Je ne savais pas si je devais faire une vidéo complètement classique, si je devais faire un vlog classique et ne pas en parler. Je ne savais pas. Voilà, clairement, je ne savais pas comment faire pour revenir avec cette crise actuelle. Je ne vais pas en parler pendant très longtemps dans cette vidéo parce qu'on est tous dans une galère plus importante pour certains, un petit peu moins importante pour d'autres. Ça dépend évidemment de nos revenus, etc. Moi, sachez que, voilà, en étant indépendante, c'est la galère, mais vraiment la grosse galère. Je vous avoue que je sais pas comment je vais faire pour finir le mois, je sais pas comment je vais faire pour payer ma maison. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas envie de rentrer plus dans les détails, mais j'ai perdu 2 gros contrats qui me font perdre plus de 1000 euros. Plus de 1000 euros sur le mois. Simon est en chômage économique depuis hier, ce qui veut dire qu'il a perdu plus ou moins 600 euros. Donc on perd 1600 euros ce mois-ci. C'est juste énorme, c'est un salaire. Donc je ne sais pas comment on va s'en sortir, je ne sais pas comment on va faire. J'en ai mal de tête, j'en dors pas. C'est pour nous la catastrophe, c'est pas que pour nous. Alors j'ai déjà reçu des commentaires sur Instagram, parce que si vous ne me suivez pas encore, je vais vous mettre mon Instagram ici. J'ai reçu des commentaires me disant « Tu n'as pas le droit de te plaindre, tu n'es pas malade, tu n'as pas le coronavirus, tu n'es pas morte. » Oui, mais à un moment donné, j'ai le droit aussi d'avoir mes problèmes. Parce qu'alors, ne vous plaignez jamais. Alors, si vous avez le coronavirus, ne vous plaignez pas non plus parce que vous n'êtes pas mort. Il y a un moment donné où il faut arrêter les conneries. J'ai du mal et je vais avoir du mal à finir la fin du mois, à finir les mois qui vont arriver. Parce qu'il va falloir le temps qu'après les collaborations reprennent et il va falloir le temps que... Enfin voilà, bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Courage juste à tout le monde. Si vous êtes dans la galère, il faut qu'on trouve un moyen de tous s'en sortir. Je devais rhabiller Jeanne pour le printemps. Je ne vais pas savoir le faire. Je dois me rhabiller pour le printemps. Je ne vais pas savoir le faire non plus. C'est pas dramatique. On a des vêtements et c'est pas grave. Je vais trouver 2-3 petits trucs sur Vinted s'il faut. On va s'arranger comme on peut. Mais voilà, on a de la chance. Il fait beau. Il fait très beau dehors, il y a du soleil, mais Jeanne est très difficile depuis 2 jours. Je pense qu'elle ressent notre stress à fond. Elle est très difficile, elle pleure sans arrêt. Hier, on a été un petit peu dehors. Là, elle n'a pas l'air de vouloir sortir, donc je pense qu'elle va dîner, puis elle va aller à la sieste et elle sortira après-midi. Moi, j'ai ressorti un vieux pull super dry. Je pense que je l'avais acheté. Alors, je suis avec la perche... Le stabilisateur, donc parfois il est un peu bizarre. Donc je l'avais acheté, je crois que c'était à New York, mais je suis même pas sûre. New York ou Londres, je sais plus. J'ai retrouvé en rangeant la chambre de Jeanne, que je vais aller vous montrer tout à l'heure, du coup. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, que je reprends un petit peu les vlogs. Il y aura certainement pas beaucoup de vlogs pour l'instant, puisque on est complètement en quarantaine, vraiment très stricte à partir d'aujourd'hui midi, donc... À partir de... Voilà, dans 25 minutes, on est complètement en quarantaine. Donc, ce qui veut dire qu'on peut se déplacer que pour des premières nécessités, donc pharmacie ou nourriture ou essence. C'est tout. On ne peut pas se déplacer. Et surtout, tout est fermé à partir de midi. Tous les magasins, tout est fermé. Donc, on est en quarantaine et je pense que c'est pas plus mal de pas... Enfin, voilà, je pense que c'est pas plus mal de fermer complètement tout maintenant et de ne pas encore attendre 1 semaine, voire 2 semaines, d'avoir encore plus de catastrophes. Je pense que c'est très bien d'avoir tout fermé maintenant. Il était temps. Hop ! Ce stabilisateur, il faut vraiment que je m'y fasse. Donc, voilà, écoutez, je vais donner à manger à Jeanne. Je vais voir ce que je vais lui faire manger, ce que nous, on va manger aussi. Et puis, on se reprendra tout à l'heure, j'irai vous montrer sa chambre. Papa est là, mon cœur, vas-y.
Et tu es belle. Montre à maman. Coucou. Salut. Papa. Oui. Papa est là aussi. Allez, comme à la piscine. Saute. T'es de l'autre côté. T'as des poissons, par contre. Tu en vois? Tu vois le poisson? Ah ouais? Bon, on revient d'avoir été faire un petit tour quand même. On a la chance d'habiter dans un village et donc du coup on croise personne et enfin voilà, on touche rien du tout et ça fait surtout du bien. J'en ai même mal aux yeux parce que j'avais pas mis mes lunettes, du coup j'ai un peu mal aux yeux là, mais ça va aller. Du coup là je suis dans la future chambre de Jeanne, je vais vous montrer un petit peu, je vais retourner la caméra, ce sera plus simple. Bon, là il y a le parquet qu'on a mis. Du coup, ça je vous l'ai montré sur Instagram, mais je ne vous l'ai pas montré sur YouTube, j'en ai marre de ces peluches. Donc c'est du pin maritime massif qu'on est venu clouer sur des tasseaux. En dessous c'est une chape de béton toute simple. Clairement j'ai vu ça sur le blog de Rachel Styliste, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Parce que pour toute la pièce, on en a eu pour 180 euros de parquet, donc massif. Donc clairement, c'est le bon plan. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le peindre en blanc, mais pas blanc, blanc comme un mur, quoi. La peinture va être diluée, donc on va encore voir les veines du bois et tout ça. C'est vraiment ce qu'on recherche. Ça ne va pas être blanc mat partout. Mon petit cœur. Sa porte, elle est démontée parce que du coup, là, il n'y a qu'une seule couche. On va devoir remettre une deuxième couche. On doit remettre une deuxième couche sur tous les murs. Là c'est un petit test de couleur pour sa tête de lit. J'ai repeint le radiateur tout à l'heure. Là Simon a essayé tout doucement de détapisser un petit peu ce mur là et de replafonner là, mais vraiment cette pièce était vraiment le débarras. La couleur là c'était vraiment affreux. On a encore repeint le plafond, bref il y a encore du boulot, mais on avance petit à petit et ben voilà, je suis juste trop contente. J'ai hâte de mettre son lit, sa garde-robe ici, ses deux petites commodes, un beau tapis. Ce sera vraiment une chambre très épurée, très nature, enfin voilà, c'est pas une salle de jeu quoi, c'est vraiment sa chambre. Donc voilà, je suis vraiment super contente. D'ailleurs si vous voulez vraiment suivre l'avancement, je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur YouTube, parce que je vous dis, ça fait 3 mois que je n'ai plus fait de vidéo sur YouTube. Du coup je vous invite, je vous remets mon petit compte juste ici et je vous invite à me suivre sur Instagram, enfin nous suivre sur Instagram. Et comme ça vous verrez l'avancement, j'ai fait une petite story à la une sur mon Insta. Donc voilà, tu fais un gros câlin à Léon ? Oui. Oui, il est gentil. Papa ? Papa doit faire un câlin à Léon ? Non. On doit faire un câlin à ce nounours là ? Oui. Oh, maman peut le faire le câlin ? Oui. Ah, oh, câlin. Maman elle fait un câlin à ce nounours là. Hop. Et toi tu fais un câlin à l'autre. Oh non, tu t'en vas. Papa doit faire un câlin ? Oui. Oui, mais papa, il est occupé. Ouais. Non, papa n'est pas occupé. Bon, c'est moins glamour que les photos Instagram, ça. Simon a fini de nettoyer, donc là, j'attends que ça sèche parce que je dois faire mes lessives. Et après, on va manger. Je ne sais pas encore ce qu'on va manger. Par contre, il y a une chose qui est super bien avec ce confinement et ce coronavirus, c'est que du coup, comme on ne va pas souvent faire les courses... D'ailleurs, ça fait 2 semaines, je crois, qu'on n'a plus été. Non, une bonne semaine et demie, je crois, qu'on n'a plus été faire les courses, bref. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on utilise vraiment tout ce qu'on a dans le frigo. Mais vraiment tout, tout, tout. Il y a parfois des soirs où on n'avait pas envie, du coup, on allait chercher un McDo, ou on allait chercher des frites, ou... Enfin, bref, ou alors à chaque fois, on allait au magasin pour rechercher des choses. Et puis, pour finir, il y avait des choses qui périmaient dans notre frigo, il y avait des choses qu'on devait jeter. Évidemment, c'est scandaleux, mais voilà, on n'avait pas d'organisation à se dire, voilà, lundi, on va manger telle chose, le mardi, telle chose, mercredi et tout.
Donc là, pour le coup, on utilise tout. Je regarde les dates de tout. Je prends évidemment tout ce qui est plus proche en date. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Je prends évidemment tout ce qui est plus proche en date. Et enfin, voilà. Bref, ça évite plein de gaspillage. Et je suis vraiment super contente. De ce point de vue-là, je suis vraiment super contente. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog de retrouvailles vous aura plu. Nous, on continue de ranger à fond la maison. Bah, ça fait du bien, voilà, finalement. On a vraiment de la chance qu'il fasse beau. Ça fait vraiment du bien de ranger, de faire quelques petits travaux, d'arranger sa chambre, de refaire un peu le jardin. Il était temps parce qu'en fait, comme on n'a pas eu d'hiver, il a fait vraiment dégueulasse très, 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 très longtemps. Il a plu pendant des semaines et des semaines. Et parce que même quand c'est l'hiver, qu'il fait bien froid, que vous avez de la neige, c'est chouette parce que vous allez dehors avec les enfants, vous pouvez faire des bonhommes de neige, vous pouvez jouer dans la neige et tout. Mais là, c'était vraiment de la pluie tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était vraiment dégueulasse. Je crois qu'on a eu 2 jours de gel, c'est tout. Donc clairement, cet hiver était plus que pourri. C'était un automne prolongé en fait. Donc du coup, on n'a rien foutu dans le jardin. Il était grand temps. Donc voilà, ce confinement a du bon pour l'instant, tant qu'il fait beau en tout cas. J'espère que ça va continuer. Je regarde parce que c'est tellement rare maintenant qu'on voit des avions dans le ciel que du coup je regarde. J'espère que ça va continuer le temps, mais apparemment d'après la météo sur le téléphone, ça va durer au moins encore une semaine. Donc voilà, j'ai essayé quand même de travailler un petit peu aujourd'hui, de regarder si je pouvais avoir des collaborations à gauche à droite, de m'inscrire sur d'autres plateformes, de chercher des agences. Donc voilà, ça fait partie de mon boulot, même si j'ai encore reçu des messages sur Instagram disant « argent, argent, argent ». Sauf que mec, c'est mon métier, c'est un gars qui m'a dit ça, c'est pour ça que je dis ça. C'est mon métier et que si j'ai pas d'argent, je bouffe pas. Donc à un moment donné, faut aussi se dire que j'ai pas le choix de chercher des collaborations. En fait, ce métier est tellement nouveau que beaucoup, beaucoup de gens ont du mal à se dire que c'est un vrai métier. Et donc, bah, voilà, vous voyez, là, il n'y a pas de rentrée, donc... Voilà, c'est un vrai boulot, il faut que je cherche absolument des petites des collaborations, des choses comme ça, gauche à droite. Et après, je referai mes cartes de visite et j'essaierai de trouver un autre boulot community manager. Je cherche sur les sites de... Oh, je perds mes mots, comment ça s'appelle encore? D'agence, pas d'agence. Enfin, vous voyez, comme le forum et tout, enfin bref. Je cherche s'ils ont des emplois et tout ça en tant que community manager. Mais du coup, moi, je postule en tant qu'indépendante, pas en tant qu'employée. Donc voilà, en tout cas, j'espère que chez vous, ça va, que votre famille va bien aussi, que vous portez bien, que vous respectez surtout les règles, Simon vient de passer, et que vous respectez surtout les règles qui nous sont données. C'est pas pour nous ennuyer, c'est plus pour notre santé, pour notre bien-être. Donc il faut l'accepter, c'est comme ça. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, je reviendrai dans une prochaine vidéo, certainement pas un vlog, autre chose. Je vais préparer quelques vidéos d'avance de toute façon. Je vais monter la vidéo dès que possible, ou le rendre en ligne dès que possible. On est mardi aujourd'hui, non mercredi, on est mercredi aujourd'hui. Donc je la monte dès que possible, promis. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous et soyez prudents. Je vous embrasse, bisous.